Bonjour. Il y a maintenant une nouveauté dans Microsoft Forms. Donc, dans Microsoft Forms, il est maintenant possible d'offrir un choix de réponse avec des images. Donc, voici comment ça fonctionne. Ici, je vais insérer une question à choix de réponse. Donc, ma question pourrait être: comment vous sentez-vous? Et j'aimerais que les élèves choisissent des images comme choix de réponse. Donc, on voit ici qu'on a l'option de cliquer sur l'icône d'image et d'aller téléverser des images. Donc, par exemple, ici, j'ai mes images de choix de réponse. Donc, je pourrais choisir que mon premier choix de réponse, c'est le sourire. Mais là, c'est un petit peu fatigant d'ajouter comme ça une photo à la fois. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'ouvrir le dossier, de prendre nos images ici et de les glisser. Automatiquement, vous voyez que Microsoft Forms a mis mes images en choix de réponse. Donc, je vais enlever la première réponse. Et voilà, j'ai mes quatre images ici. Je peux également aller ajouter du texte pour mes images. Donc, ici, si c'est l'option fatigué, donc mon premier choix. Donc, je peux ajouter comme ça du texte également avec mes choix de réponse. Et ici, on va voir l'aperçu. Donc, j'ai maintenant l'aperçu de mon formulaire. Je fais démarrer et on voit ici que mes quatre choix de réponse apparaissent et que je peux sélectionner selon l'image. Donc, ici, on voit que mes images ne se voient pas vraiment très bien. On ne les voit pas au complet. Donc, je vais retourner. Donc, je peux sélectionner mon image ici avec le petit crayon et aller modifier pour qu'on voit mieux mon image. Donc, soit la taille réelle, ce que j'aimerais le mieux ici, ou on peut également zoomer sur notre image. Donc, je remets ici la taille réelle et voilà, ça va faciliter ce choix-là. Je viens modifier celle-là ici aussi. Donc voilà, on voit beaucoup mieux mes choix de réponse et je peux aller revoir l'aperçu ici, là. Donc, on voit bien mes images et c'est facile pour l'élève de sélectionner. Donc voilà, c'était comment ajouter des images comme choix de réponse dans Microsoft Forms.